Test du pendule. Donc j'ai deux pendules, un que j'ai fabriqué moi-même, l'autre que j'ai acheté. Je suis un peu sceptique sur la chose. Donc je fais des essais, l'essai des cartes. Alors, j'essaie de ne pas bouger la main. Cette carte est-elle rouge? Donc la convention, le oui, ça serait dans le sens des aiguilles d'une montre, le non, dans le sens inverse. Cette carte est-elle rouge? Je vais prendre ça pour un oui. Elle est noire. Cette carte est-elle noire? Je pense que ça prend un non. Donc elle doit être rouge. Elle est rouge. Cette carte est-elle rouge? Carte est-elle rouge? Pour ça, pour un oui. Donc, est-ce qu'elle est rouge? Elle est noire. Cette carte est-elle rouge? Je pense à prendre un oui, donc est-ce qu'elle est rouge? On va voir. Elle est rouge. Cette carte est-elle noire? Ne bouge pas. Cette carte était noire.
cette carte était noire. Il ne veut pas bouger. Carte était noire. Il tourne. Prendre ça pour un non. Donc, normalement, il devrait être rouge. C'est le pendule. A raison. Elle est rouge. Donc voilà, je sais pas si c'est des micro-mouvements, des trucs comme ça, je sais pas. Alors, je vais essayer avec celui que j'ai construit, que j'ai fabriqué. Donc, en fait, c'est un raccord de pneumatique avec un bout de ficelle, quoi. Bon, tout bête. Celui-là, il réagit plus, alors je pense que, hop, peut-être du fait de la ficelle, je ne sais pas. Je vais placer correctement. Je mets bien les pieds au sol, comme c'est indiqué dans les vidéos. Je regarde les vidéos YouTube. Mais bon, la plupart des gars, ils font bouger leurs mains. C'est un peu... Je ferai une vidéo avec ma main, justement, qui reste vraiment le plus immobile possible.